après avoir passé 72 heures dans les locaux de la brigade financière de Nanterre en France. Lucien Ebata a été remis en liberté, mais il a été mis en examen pour corruption et blanchiment de capitaux. Un message clair que la France envoie au dictateur Denis Sassou Nguesso qui s'est accaparé des richesses du Congo pour assurer une vie luxueuse à sa famille dans toutes les capitales occidentales. Lucien Ebata est conscient que la chute de son mentor n'est qu'une question de temps et il essaie de sauver ce qui reste de son patrimoine personnel investi, notamment en Suisse et au Canada. Ce trader proche de la dictature congolaise détient aussi des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Lors de sa garde à vue, Lucien Ebata a fourni un faisceau d'informations utiles et compromettantes aux autorités française qui sont présentement exploitée et sera explosive dans un proche avenir. Lors du sommet de Montpellier, Afrique-France, Macron a publiquement dit que la France devrait encourager les transitions démocratiques sur le continent africain. À votre avis, de quelle façon? Lucien Ebata ne fait plus confiance au régime de Denis Sassou Nguesso. Pourtant, qui l'a vachement enrichi en bradant le pétrole congolais sur les marchés internationaux via sa société Orient Oil. Ce que l'on peut retenir de cette affaire judiciaire, qui touche un membre non négligeable du régime moribond de Brazzaville, c'est que la trahison vient toujours des personnes que l'on suspecte le moins. Denis Sassou Nguesso est le prince de Machiavel. Bonne lecture.